Bonjour Willy. Bonjour à tous. Alors, bonjour Willy. Aujourd'hui donc vous posez votre œil dans des musées. Et oui Aymeric, parce qu'il n'y a pas que vous hein, qui pouvez parler de culture, genre j'ai lu des livres, ça va, moi aussi, hein, ça va. Hein, bon, ce matin en venant à Europe 1, j'ai vu qu'il y avait un musée tout près d'ici qui propose tout l'été une formidable exposition qui retrace l'histoire du bouton. C'est Dior, non ? C'est important. Les petits boutons, les gros boutons, les vieux boutons, les jeunes boutons, tous les boutons. Je vous laisse imaginer la joie dans les foyers quand quelqu'un annonce qu'il a envie de se coltiner une expo avec 12 500 boutons. Wow ! Oh chérie, cette musique, ça me donne trop envie de bouger mon body, là ! Ah ! Ouh, de m'éclater, de me laisser aller, allez, viens ! On va se faire une expo sur les boutons ! Wow ! Et pourtant, comme ça marche fort, je me disais qu'une sortie culturelle en plein été me changerait un peu. Et y aller avec ma nièce, tout juste post-pubère, me semblait une idée exquise. Ouais. Allô ? Salut Clara, ça va ? Non, écoutez madame, je vous ai déjà dit qu'on n'était pas intéressés par vos fenêtres à double vitraux. Elle est relou la vieille. Non Clara, c'est moi, hein, tonton Willy. Oh, excuse ! Je t'en ai pas reconnu, t'as la même voix qu'une vendeuse de fenêtres. Hein. Oh, mais c'est gentil, merci. Ça va sinon ? Non, trop pas. Tu sais, j'avais rencontré un mec sur MSN, ça c'est trop bien. Il m'avait envoyé une photo de ça. Et moi de mes... Bref, on était trop in love, quoi. Alors hier, il m'a invité à un dîner. Il m'a dit, je m'occupe du resto. C'était super, on est allé chez Starbucks. Ça, tu te rends compte? C'était trop génial, j'étais contente. En plus, c'est la première fois que je voyais sa tête. Ça se voyait trop qu'il voulait me séduire. Il avait fait la totale, gobelet en plastique, serviette en papier, la paille avec le bouquet se courbe. Enfin, tu vois, quoi, love, love. Hein. Et puis, on rigolait trop. Il me disait, moi, je vais prendre un cappuccino. Toi, tu prendras un mochaccino. Après, on verra un film d'Al Pacino. Trop la bonne entente, quoi. À un moment donné, il reçoit un texto. Alors je lui dis, fais voir. Il me dit non. Alors je lui dis, fais voir. Il me dit non. Alors je lui dis, fais voir. Il me dit non. Alors je lui dis, fais voir. Et tu sais quoi? Il me dit non. Je fais plus confiance au mec. Je vais faire comme Amélie Mauresmo. Je vais coucher avec une raquette. J'en ai marre. Bon, une expo sur les boutons semblait donc malvenue. Vous êtes donc allé tout seul? Oui, parce que j'adore l'ambiance des musées. Dans les musées, t'as vu, c'est propre, c'est feutré, c'est cosy. Les gens se parlent tout doucement comme ça. Toujours à s'extasier pour un rien. Oh, oh, vous avez vu ce bleu, oh mon Dieu! Oh oui, ce jaune! Oh, ne m'en parlez pas, ce jaune! Waouh! Dans les musées, les gens s'engueulent même en chuchotant. Non, on ne touche pas au tableau! Non! Au voleur! Au voleur! Au voleur! C'est vrai que c'est rare d'entendre dans des musées... Wouh! Est-ce que vous êtes prêts pour aller voir l'exposition Picasso au troisième étage? Allez, big up pour Picasso! 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 Vous êtes trop chaud ce soir! Non, c'est plutôt rare. Dans les musées, il n'y a que des gens intelligents, t'as vu? Vous avez vu dans ce tableau transparaît un retour à la figuration et au classicisme. Oh mon Dieu! Ouais, c'est rare que chez Quick tu as ça. Hein. Oh, vous avez vu dans ce Big Mac transparaît le lipide et la graisse saturée. Oh, oh oui! Non, une visite au musée pour se prendre une claque, il n'y a rien de mieux. Bon, alors cette expo de boutons, c'était bien finalement ou pas? Je sais pas, j'y suis pas allée. En revanche, comme j'avais soif d'apprendre, je suis allée dans un autre musée, le musée de l'érotisme. Là aussi, je me suis pris une bonne claque. Et la fessée aussi. Mais dans une ambiance cosy et feutrée, comme il se doit. C'est dingue. Comme transparaît dans cette cravache un retour à la figuration et au classicisme. Oh, j'ai dit une bêtise. Oh oui, punissez-moi. Voyez, là, quand on se trompe d'époque, les punitions, c'est quand même autre chose qu'aux Beaux-Arts. Je vais donc en parler à ma nièce. Je suis sûre que ça va l'intéresser. À demain. Vous aimez bien les coups de fouet, vous. Ça j'adore. Ah, oui. Sinon, vous savez que, comme c'est mercredi, vous pouvez aussi aller au cinéma plutôt qu'au musée. Ok. Quel enchaînement extraordinaire. Pour aller voir quoi? C'est ça la question. Réponse dans quelques instants.